Je vous souhaite à tous une agréable semaine. Oh non. Sois à merveille, faut garder le sourire, tant qu'à la santé, tout va bien. Coucou mes choubidou. Alors comment vous dire, j'ai ça sur la tête parce que je viens de revenir de course, j'étais dans Paris, il est 3h, quelque chose comme ça, ou 3h30. Alors il faut savoir que, tout d'abord... J'ai déjeuné ça, mais j'ai pas eu le temps, donc j'ai pas fini. Je suis allée faire les soldes. Franchement, j'ai trouvé des trucs super. Et en même temps, je suis allée à Lidl. Donc, je vous montre tout. Et comme, mon problème, c'est que moi, je me rentre à la maison. Je déchausse mes chaussures. Je les mets dans la maison, dans une petite corbeille. Et après... je marche nu-pied et le temps que je marche nu-pied, je me lave dans la salle de bain les pieds et après je prends ma douche et après je range tout. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai encore ça sur la tête, comme ça vous montrer un peu comment je fonctionne. Et il me faut toujours des petites robes légères pour la maison. Donc je ne veux pas dire que je suis allée, on fait d'abord Lidl, ok, après on fait les soldes. On est d'accord? J'ai trouvé ces petites pêches pour 2 euros et des bananes. Franchement, c'est des brugnons plats. Donc, je me suis dit... Mais en fait, je les ai pris en vitesse parce que j'étais à la caisse. J'avais oublié d'acheter des croissants. Je n'ai pas trouvé de croissants. Donc, j'ai trouvé ce que j'ai pu. Ça, j'ai dû le payer 2,50. Franchement, j'adore les abricots. C'est encore la saison. Les cerises, j'en ai pas trouvé. Ça, j'ai payé 2 euros. Je ne connaissais pas du tout. Lemon Live Flavour. Je ne connaissais pas du tout de chez Lidl. Et je vais essayer. Il y en a combien dedans? Je ne sais même pas combien il y en a parce que j'ai tout mis... il y en a 6. Ça doit être 2 euros et quelque chose. J'ai pris de la poudre de mâche. J'en ai eu pour 1,05 €. Je vais la mettre au frais. J'ai pas trouvé de... En plus, j'ai même pas regardé la date. Je l'ai pris... Vous savez, j'étais à la caisse. Donc, j'ai demandé à la dame, est-ce que je peux aller chercher des croissants? Et en fait, par contre, j'ai pas mes lunettes. Alors voilà, c'est du waterproof, mon maquillage, vous voyez. Donc, c'est cool. J'ai pas besoin de... Je suis complètement maquillée. Ça a même pas coulé parce que c'est ce que je vous expliquais. Le make-up que j'ai fait avec Magnific Ace, c'est du waterproof. Alors, donc ça, c'est... De la brioche, oui, au cas où on ne saurait pas, il faudrait être un peu tabée pour ne pas savoir ce que c'est que de la brioche. Non, je cherche la date, parce que je n'ai pas vu la date, il n'y avait plus de croissant, il n'y avait plus rien. Je ne sais pas, les gens, j'ai l'impression qu'ils se dévalisent. 5 août. J'ai l'impression que les gens, ils dévalisent, il n'y avait plus de masque. Il y a une dame, j'ai vu, elle avait du papier toilette dans un caddie, mais un truc de malade. J'étais avec ma meilleure amie, on a vu au moins, je sais pas ce qu'elle fait avec le papier toilette, hein, mais elle en a acheté. Hein. Oh! Si vous voulez du papier toilette, achetez-vous plutôt des douchettes. Moi, je vais aller m'acheter une douchette, hein, je vous le dis. Hein, parce qu'il n'y aura plus de papier toilette hein, à la mur où on va. J'ai trouvé ceci. C'est des nuggets, tout simplement. Alors, moi, j'ai pris des nuggets. Et comme j'ai pris... J'ai de la poussière dans l'œil. Et comme j'ai pris ceci chez KFC, là, que je vous ai montré tout à l'heure, des morceaux de poulet... du coup, j'ai demandé 2 sauces comme ça et je vais les garder pour ça. Voilà, tout simplement. J'ai payé 2,20 € les nuggets de poulet. Ça, je l'ai payé 2 €. C'est du saumon sauce à l'oseille riz basmati. Franchement, top du chef, c'est très bien parce que c'est sous vide. Attendez, j'ai vraiment un problème. Je vais y arriver. Voilà, c'est sous vide. Et là, j'ai pris un petit plat pour demain, pour vendredi. Parmentier de poisson à la ciboulette. Pareil, 2 euros. Franchement, et puis les dates, ça va, quoi. Ça, c'était en promo. Alors là, j'ai halluciné. 2,16 €. Mais j'ai pas regardé la date. Peut-être que la date, elle est proche. 2022. Non, pas du tout. Voilà, 2,16 € les napolitains, franchement. C'est sympa. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Moi, j'achète toujours les mini. Il y en a 6 ou 4, je ne sais plus. Pourquoi il clignote mon truc? Je les ai payés 2 euros. Franchement, il y en a combien dedans? Il y en a 12. 4 fois 3, 12. Non, je ne suis pas sûre qu'il y en ait 12. Je ne sais pas, mais en tout cas, 2 euros. Je me dis, il y en a 12. Après tout, pourquoi pas, je vais essayer. Hein. Ça, c'est de la glace, hein, c'est pareil. Hein. Bon, alors ensuite, mais je suis à Lidl pour une raison bien précise. Une seule, celle-ci. Défroisseur. Il va avec ma serviette en plus. Le défroisseur.
Franchement, c'est bien, même quand Yannick qui vient, un t-shirt, allez, hop. Moi, j'ai des robes que je ne peux pas mettre parce que j'ai pas envie de les repasser, parce que j'ai peur de les brûler. Et bien là, avec le défroisseur, et je vais vous dire une combine. Peut-être c'est une combine à la con, mais c'est peut-être une combine. Moi, je me douche tout le temps, j'enlève mes affaires tout le temps, je les mets à la machine. Et bien dorénavant, je les passerai avec ça. Voilà. Puisque comment font dans les magasins, ben, ils font avec le défroisseur. Et bien moi, je vais faire pareil. Je vais défroisser. Mon sol, moi, je le désinfecte avec le balai vapeur. Et franchement, c'est un truc. Je vous dis, un jour, je me suis brûlée parce que j'ai mis à côté du pied. Ensuite, mais peut-être je vais faire une autre vidéo parce que là, ça dure longtemps. Hein. On va le regarder ensemble. Hein. Alors, il y avait bleu et il y avait gris. Et moi, j'ai demandé au monsieur, excusez-moi, pourquoi il est bleu et il est gris? Non, mais écoutez, la blonde de service, j'étais blonde avant. Hein. Pourquoi il est comme ça là? Ça va pas. Il me dit, regardez derrière. Je fais, ah oui. En fait, moi, j'avais vu ce côté-là en gris de l'autre boîte. Et du coup, j'avais vu que ça. Mais je n'avais pas vu ce côté-là. Mais en fait, c'est la même chose. Il me dit, regardez. Oh, je lui dis. Du coup, il a profité pour me draguer un petit peu. C'était rigolo. Voilà. Alors, il m'est arrivé plein d'anecdotes. Tant pis pour ceux qui n'écoutent pas. Peut-être je la raconterai après. Figurez-vous que ce matin je vais travailler. Non, je vais travailler, n'importe quoi, je suis en vacances, n'importe quoi. Ce matin, je sors et je vais dans Paris. Et du coup, parce que je voulais acheter ça, et du coup, j'étais en jean. Un monsieur, je vous dis pourquoi, un monsieur black, hein, je vous dis black pourquoi, vous allez voir pourquoi, parce que franchement, c'est un bonheur. Ce monsieur me dit. Excusez-moi, madame, mais je ne suis pas pervers. Je dis non, dites-moi. Il me dit, vous avez votre braillette ouverte. Je dis, mon Dieu. Je dis, mon Dieu. Excusez-moi, je suis désolée. Et comme moi, je ne mets pas des grosses culottes, je mets des petites culottes. Bah voilà, il m'a dit, et je vous jure, je ne suis pas pervers. Je dis non, sincèrement, je suis désolée. En tout cas, je vous remercie mille fois de me l'avoir dit. J'étais moins gênée parce que j'avais le masque. Je crois que sinon, je serais écarlate tellement j'avais honte. Alors l'autre fois, c'était le truc qui était parti comme ça. Maintenant, la prochaine fois, j'ai un trou aux fesses ou quoi? Et puis en plus, juste après, j'ouvre mon sac et on m'avait donné un échantillon. De La Roche-Posay, et je le fais tomber. Il y a une charmante dame qui me dit, une petite demoiselle, elle me dit, Madame, vous avez fait tomber quelque chose. Alors franchement, aujourd'hui, c'est trop. Hein. Donc on ouvre. Oh non! C'est pas ça. C'est une bouilloire. Mais comment ils ont fait? C'est une bouilloire. Eh ben non! C'est un défroisseur. Je te défroisse tout, je te défroisse tout, je te défroisse tout. Ah, moi et la vapeur, ça me connaît, hein. Je fais que ça maintenant. Hein. Donc, on va mettre de la vapeur là-dedans. Et on va faire exactement comme avec le balai vapeur. Elle est franchement très contente. Il est beau, hein? Il dirait un engin d'espace. Et nous avons la petite brosse. Le temps que je trouve. Alors, vous savez que j'ai été blonde. J'ai été blonde, vous pouvez en demander à ma meilleure amie. Elle le sait. Hein. J'ai été blonde pendant des années. Et je crois que ce blond-là m'est resté. Attendez. Voilà. Normalement, ça devrait faire comme ça, non? Voilà, ouais, je vais mettre 3 heures. Et ça y est, je suis même capable de le casser, parce que je suis complètement nuche. Alors, réfléchissons. D'abord, réfléchis, Sybille. Là, tu vois qu'il y a un gros truc là, donc ça doit être certainement comme ça. Voilà. Et voilà. Bah écoutez, je suis pas contente pour 19,90, franchement, il y en avait déjà plus, il en restait 3. Donc, trop contente, je l'ai trouvé. Attendez, voilà, je n'avais pas enfoncé. Je pense qu'on va faire une vidéo Lidl là, on va l'arrêter là. Ok, et je vais continuer, nous avons la notice ici, et je vais continuer sur ma lancée, parce que je n'ai pas que ça. Donc, je reviens. À tout de suite. J'ai commenté. Voilà Ciboulette, la petite sirène. Ça tourne, moteur. Waouh! Change d'appui, t'as vu l'appui? Yeah! Eh, hey, fais de la godille. C'est bien? On dirait dans les bronzés, c'est là. Je vais tomber, je vais tomber! C'est grâce à toi.
J'ai vaincu ma peur. Petite pochette oreiller. On va la tester. Allez, on teste, hein. D'accord. Alors, nous avons... On y va. Mais avant, il faudrait peut-être que je ferme pour le gonfler. Il me semble, hein. Ça, c'est le côté... Vous savez, j'étais blonde avant, donc c'est un problème. Je crois que... Il n'y a pas de trou, c'est comment ça se voit, ça hein? Bon, je sais pas. C'est censé être un oreiller, mais... Ça c'est sûr, hein, si tu le gonfles sans le fermer, ça risque pas. Hein. Bon, ça va m'énerver. C'est pas grave. Ça me chatouille, les lèvres. Ah, je déteste ça. Mes souvenirs. Bon, bah, je vais l'emmener, je sais pas, Pinkett, tu vas s'en ça vous arrive. Moi, quand je rentre dans un magasin, quand je rentre dans un restaurant, que je rentre n'importe où, il n'y a pas un chat, même pharmacie, hein, il n'y a pas un chat. Deux minutes après, à croire que, je sais pas, ils me suivent ou je dois avoir un parfum ou je sais pas quelque chose. Deux minutes après, j'ai sept personnes derrière moi. Le bonheur est dans les prés, causez vite, le bonheur est dans les prés, causez vite, ma fille. Si tu veux le rattraper, causez vite, si tu veux le rattraper, causez vite. Mes souvenirs d'amour, je vous fais plein, plein de bisous, il est tard. Et donc, je vais faire ma routine parce que je vais me déshabiller. Posez-moi tout. Voilà, ben je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime, mes chubidou. I love you, ishlibidi, je te quiero. Si ma vidéo vous a plu, un pouce, si elle ne vous plaît pas, la, prenez un abonnez-vous, likez, partagez.